en laissant la colonne vertébrale le plus droit possible. Bien tout relâcher. On peut laisser aller une expiration. Expiration le plus lent et profond possible. Aligner le corps, chercher un placement où la colonne vertébrale est totalement alignée. Le souffle le plus ample possible, sans rétention, sans contrôle de souffle. Vous laissez les inspires et les expirations se placer de façon naturelle. Vous les laissez bien venir par la bouche. Pour le moment, prenez conscience de la position de votre corps. Prenez conscience des appuis avec le sol. Conscience de l'arrière de la tête et de la position du menton par rapport au corps. Cherchez à aligner le menton avec la gorge. Éventuellement, cherchez à placer la tête dans son axe, ni trop à droite, ni trop à gauche. Déplacez bien les deux épaules de façon à ce qu'elles soient parallèles, même distance par rapport à vos deux oreilles. Même distance des deux bras par rapport au buste. Observez le buste et laissez respirer la cage thoracique. Relâchez bien les muscles. Laissez le sternum se soulever. Laissez les bras se tourner de façon à avoir les paumes de main vers le ciel, les doigts détendus. Ensuite, vous allez relâcher et laisser aller les jambes vers l'extérieur. Et commencez à observer le souffle. Vérifiez qu'en observant, vous ne modifiez absolument rien.
pas de modification dans l'intensité, pas de contrôle du souffle. Parfois, le fait juste d'observer fait que vous allez changer quelque chose. Laissez le souffle se faire seul et observer. Placez-vous en simple observateur. Juste témoin du souffle. Essayez d'observer chaque instant, chaque inspire, chaque expire. Observez chaque instant entre l'inspire et l'expire et essayez de glisser dans ces instants. Et quand vous vous placez entre l'inspire et l'expire, laissez-vous glisser comme si vous rentriez dans l'immensité de la Voie lactée. Juste après l'inspire, juste avant l'expire. Et la même chose après l'expiration. À chaque souffle, abandonnez-vous un peu plus profondément dans cet espace, sans limite, sans aucune forme. Et puis, revenez au souffle et faites une série d'expirations assez sèches, comme si vous vouliez vider tout l'esprit de son contenu. Expirez de façon sèche, répétée et rapide, plusieurs fois. Et à chaque expiration, laissez totalement se vider l'espace mental. Puis faites une pause et observez. Et à nouveau, videz le crâne avec des expirations rapides et répétées, comme si chaque pensée s'éliminait à l'expire, chaque image. Puis observez à nouveau. Et si à nouveau une pensée arrive, chassez-la en expirant de façon brève,
et rapide. Laissez venir, dès la première pensée qui surgit, vous éliminez ces pensées. Vous la laissez s'évaporer comme si des bulles de savon s'en allaient dans l'espace. Et revenez au moment entre les inspires et les expires et laissez-vous totalement absorber. Totalement glisser dans ce vide. Et vous allez glisser dans le pouce de votre main droite. Glissez comme si c'était une rivière ou quelque chose de fluide. Cherchez à vous placer sur l'extrémité du pouce. Observez sa forme. Sa structure. Et passez ensuite au niveau de l'index. Le troisième doigt, le majeur. Toujours sur la pointe du doigt. Quatrième. Cinquième. La paume de la main. Le dos de la main. Puis toute la main droite. Le poignet, le coude, le bras entier, l'épaule, l'aisselle, côté du buste. Côté de la taille,
hanche. Côté cuisse. Genou. La jambe. Cheville. Talon droit. La plante du pied. Le gros orteil. Puis glisser doucement dans le deuxième doigt. Troisième. Quatrième, cinquième orteil. Placez-vous dans le pouce de la main gauche, le deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième. Dos de la main. La paume. Toute la main gauche. Le poignet. L'avant-bras, le coude, tout le bras, l'épaule, aisselle. Côté du buste, côté de la taille, hanche, la cuisse, genou, jambe. Cheville, talon, la plante du pied,
le gros orteil. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Venez dans le sommet de votre crâne, puis sur l'arrière de la tête. La nuque. Épaule omoplate droite. Épaule omoplate gauche. Les deux épaules. Haut du dos à droite, haut du dos à gauche, tout le haut du dos. Tout le bras droit, tout le bras gauche, tout le dos. Bassin fessier. Arrière cuisse droite, arrière cuisse gauche, les deux cuisses, mollet droit, mollet gauche, les deux mollets, talon droit, talon gauche, les deux talons. Sommet du crâne à nouveau, puis du sommet du crâne, venez au milieu du front. Tempe droite, tempe gauche, les deux. Milieu sourcil, sourcil droit, sourcil gauche, les deux sourcils. Le nez, œil droit, œil gauche, les deux yeux.
lèvre supérieure, joue droite, joue gauche, les joues, lèvre inférieure, mâchoire droite, mâchoire gauche, les deux mâchoires. Le menton, l'oreille droite, l'oreille gauche, les oreilles, gorge, le haut de la poitrine à droite, le haut de la poitrine à gauche, milieu poitrine. Le ventre, bas-ventre, pubis, sexe, anus, jambe droite entière, jambe gauche. Tout le bras droit. Tout le bras gauche. Tout le corps, tout le corps, tout le corps. Conscience de tout le corps en train de respirer. Conscience de toutes les sensations qui apparaissent et disparaissent. Prenez conscience de chaque inspiration, chaque expiration et de chaque instant entre les deux. Soyez témoin de tout ce qui vibre à l'intérieur du corps. Ressentez tous ces mouvements, tout ce qui est vivant. Ressentez la vibration de cette énergie qui anime votre corps. Tous les courants, comme des vents qui passent. Sentez cette vie vibrante dans tout le corps et
tout autour du corps. Comme un courant à l'intérieur et tout autour qui l'enveloppe. Nous allons partir à l'exploration des cinq courants principaux, cinq formes d'énergie majeures dans le corps. Et on va commencer par se localiser au niveau du coccyx et de l'anus, juste au centre, à la base, Apana Vayu. Prenez conscience des sensations et du mouvement de la chaleur, la vibration et l'énergie juste au niveau du coccyx. À chaque souffle, prenez conscience de cette force de vie sur cet endroit précis. Conscience de ces mouvements d'énergie qui provoquent tout ce qui est excrétion, élimination. Tout ce qui va vers le bas, d'éliminer tout ce qui n'est plus nécessaire et de faire sortir ce qui n'a plus lieu d'être à l'intérieur du corps. Remontez doucement au niveau du sacrum, au niveau des organes génitaux, au niveau du pubis. Prenez conscience de toutes les sensations et les mouvements de chaleur, vibration. Observez sur ce point précis la force de vie. Et sentez les mouvements qui provoquent et régissent la circulation partout dans le corps, qui coordonnent toutes les autres fonctions. Les sens, les muscles, tout le système nerveux, le mouvement. Ressentez la circulation du sang dans tout le corps. Partout, dans les articulations, les muscles, dans le ventre, le cœur, partout ce qui circule et palpite, Vijnana Vayu. Remontez doucement votre attention au niveau de votre ventre, dans la colonne lombaire et le nombril. Placez-vous juste au-dessus du nombril et prenez conscience des sensations, vibrations, énergie dans ce point précis.
Ressentez notamment tous les mouvements au niveau du nombril et du cœur. Depuis ce point, toute la digestion, la distribution dans le corps et l'intégration par le ventre se passent. Que ce soit la digestion des aliments, des émotions, des pensées, tout se passe au niveau de ce point juste au-dessus du nombril. Samana Vayu. Depuis ce point, sentez comme une irradiation . C'est le point central de tous les souffles vitaux. Puis remontez le long de la colonne dorsale, juste à l'arrière du cœur, au milieu de la poitrine. Ressentez toutes les vibrations dans ce point, milieu poitrine. Et ressentez tous les mouvements d'énergie qui vont provoquer la respiration. C'est par ce souffle que vous recevez, que vous êtes capable d'avaler, d'ingérer, d'absorber l'énergie contenue dans l'air, recevoir toutes vos impressions sensorielles grâce au toucher et au contact. Pranavayu. Tout le haut du thorax jusqu'à la gorge. Puis remontez doucement votre attention . Remontez au point de la gorge . Conscience de l'énergie qui vibre à partir de cet endroit . Udana Vayu . Tout ce qui permet d'aller vers le haut. La mémoire, l'énergie de la parole, la volonté, l'effort et la créativité. C'est dans ce point que se place le souffle victorieux, la respiration Ujjayi. Observez ce point.
Laissez votre attention remonter au centre du cerveau, au centre du crâne. Et laissez la sensation de l'énergie embrasser votre corps tout entier. Tout votre corps respire, animé de ces souffles vitaux. Contemplez la force de vie unifiée en vous, partout, et toutes les fonctions qu'elle permet. Revenez à l'espace central dans la poitrine. Laissez l'inspiration passer par ce point. Et laissez cet espace s'agrandir. Vous reprenez doucement conscience du corps entier qui respire au sol. Conscience de tous les appuis du dos avec le sol,
et vous venez inspirer un tout petit peu plus d'air. Vous laissez tout doucement le corps reprendre conscience de tout ce qui l'entoure. Conscience de la salle dans laquelle vous êtes. Du ou des supports que vous avez. Sur la prochaine inspiration, vous venez doucement bouger les doigts de pied, les bouts des doigts. Vous pouvez tourner doucement les bras, venir éventuellement frotter, masser les mains, le visage, jusqu'à progressivement ramener du mouvement jusqu'au centre du corps. Vous pouvez vous tourner sur le côté droit avant de revenir. Et quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez sortir de la pratique. Si vous êtes chez vous, vous pouvez rester encore autant de temps que souhaité. Je vais juste couper l'enregistrement.